Okay, so now getting to the last example over here, which is example 5. En première question, c'est calculate the total number of students. Now, this is too easy. How many students do we have over here? Mais premièrement, make sure que quand vous devez faire les, get bien. Les pas bien juste comme si l'in de nous calculer total number of students. And we just add it. It could be like this. It could also not be like this. Get comment là? Premièrement, nous comprenons sens qui table là, mais vous devez nous comprendre qu'il peut démontrer. What is this table showing over here? How many students got no more books? Two students, ça veut dire deux élèves. Combien qu'il y a un seul? Trois élèves. Combien qu'il y a cinq? Alors, un seul. Combien qu'il y a quatre? Deux. Combien qu'il y a trois? Cinq. Ça veut dire en d'autres mots, comme on cause total number of students. So, what is total number of? So, what is total number of students? Ça veut dire en d'autres mots que c'est 2 plus 3 plus 7 plus 5 plus 2 plus 1. Vous êtes tout d'accord pour cette partie-là? Ça veut dire que ça, les peut démontrer total number of students. Parce que nous d'accord qui comment dire les peut n'avoir aucun canet. C'est 2. Combien qu'il y en a-t-il? 3. Combien qu'il y en a 2? 7 élèves. Ça veut dire en tout combien d'élèves il peut faire. D une réponse 0, 3 une réponse 1, 7 une réponse 2, 5 une réponse 3, 2 une réponse 1, il y en a 4, et 1 seul une dire il y en a 5. Ça veut dire en d'autres mots, la totalité, cela vous donne combien ici? 5, 5, 7, 17, alors 19 et 20. Voilà. Ça veut dire the total number of marbles amount to, désolé, ça veut dire the total number of students. Alors cela vous donne une totalité de 20 par ici. Alors, pourquoi me mettre l'emphase là? Je vais vous prendre des affaires simples comme ça. Que je vais expliquer tout ça là. Alors, c'est pas que c'est quelque chose de simple. Et je vais expliquer tout ça là. C'est aussi parce que quand nous guettons la question B, il peut dire nous calculer le total number of marbles A. Mais là, c'est comment dire, je vais t'apprendre l'hypoké. Je veux dire, oh, mais total number of students, monsieur, on a tout ça là. Mais total number of marbles, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez prendre 0 plus 1 plus 2 plus 3. Mais does it make sense? Est-ce que it make sense over here? C'est pour cela, je ne peux pas montrer aux autres comme ça que pour total number of students, n'est qu'ajoute-les avant mon ajoute-les. Je ne peux pas n'est qu'ajoute-les moi. Avant mon ajoute-les, mon algueté, does it make sense? Would it make sense si je prends 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5? Does that make sense to you that this would represent the total number of marbles? Non, vous autres. This would not represent total number of marbles over here. The two d'accord là, get bien. Combien d'élèves les peines même? Deux éléments, on dit comme ça, les peines. Ça veut dire en d'autres mots, combien d'autres éléments? The peines du tout si je compte les comme deux élèves, voilà, élève 1, élève 2, the peines du tout. Mais trois élèves, ils disent moi comme ça qu'il y en a un. The two d'accord, trois élèves, ils disent moi comme ça qu'il y en a un. Ça veut dire, get bien. Si trois élèves, chacun des autres, il y en a un marble. En tout, combien marbles nous en a? Ça veut dire, nous en a trois marbles en jeu, vous autres. Si je dis aux autres comme ça, sept élèves, peut dire aux autres, il y en a deux. Deux marbles. Il y en a sept éléments. Premier dire il y en a deux. Deuxième dire il y en a deux. Troisième dire il y en a deux. Jusqu'à septième dire il y en a deux. Mais en tout combien lui en a? Combien marbles est-ce qu'il y a sept élèves là combinés les faire? Les combinés les donnent un total de 2 fois 7, c'est 14. 5 élèves dire il y en a 3 marbles. Ça veut dire en tout combien il y en a? 15. Ici, ça a 2 élèves qui dire il y en a 4 là. En tout veut dire il y en a 8. Et ici, en tout veut dire que vous autres il y en a 5. Ça, un élève là, il y en a 5, veut dire en tout, en jeu, on a 5 marbles from his side. From these two students, each student has 4 marbles, so all together combined, they have 8 marbles. Alors, la totalité, c'est combien? Et ici, il fait nous 0. Alors, la totalité, c'est 0. Plus 3, plus 14, plus 15, plus 8, plus 5. Alors, cela vous donne une totalité de... Cela vous donne une totalité de 45. Ça veut dire au total en jeu,
nuit dans 45 mobiles. Zotin bien saisi, ça veut dire en jeûne dans une totalité de 45 mobiles pour ici. Zotin bien saisi, mais si toutefois, Zotin est dire comme ça, ah, ça c'est section mobile, mais ajoute le tout. Jamais soit pour gagner. It would not even make sense. Parce que ça, il peut démontrer nous combien d'élèves il y a combien de mobiles. Et il y a un mobile, oui, mais combien d'élèves il y a un mobile? 3. Ça veut dire en d'autres mots, 3 fois 1 de nous 3. Ça veut dire si on prend ça 3 élèves, là, vous comptez lié à n. Lié à n. Lié à n. Ça veut dire tous les 3 combinés, il y a nous 3 mobiles. Vous avez bien ces idées-là. Oui. So make sure that you do not fall into this trap for the exams. Allez, comme partie C maintenant. Partie C, c'est une partie intéressante. C'est une partie intéressante parce que l'Indien nous calcule le mean number of mobiles per student. Allez, que l'Indien nous calcule? L'Indien nous calcule mean number, the mean number of mobiles per student. Que mean in rodé? Tout à l'heure là, il se fait rod mean mog. Allez, dis-moi ce de même. Quand il se fait rod mean mog, tout à l'heure là, qui t'est arrivé? Quand on a de mean mob tout à l'heure là, mob qui termine X. Là, nous avons de mean number of marbles. Ça veut dire que c'est marbles qui pouvaient. Cela veut dire que c'est marbles qui pouvaient X. C'est pour cela, c'est très essentiel pour vous autres connaître. C'est très essentiel pour vous autres connaître laquelle qui vous représente X et laquelle qui vous représente F. Gagne comment là, tous les numbers. Allez, ça, c'est l'élève qui dit comme ça là. Moi, je vais prendre les bons numbers. Bon. Quand il y a un number, je mets F. Ça qui n'est pas un number, je mets X. Mais là, tous les deux, il y a un number. Laquelle tu peux mettre F, ceux qui ne peuvent pas prendre ni par cœur ou sans mécanique comme ça. C'est pour cela que je ne peux pas apprendre des choses mécaniquement, apprendre tout le temps à comprendre. Là, je dis que je peux dire, nous find mean number of marbles. So does it make sense for marble to be X? Yes. Despite this is number of students. Alors voilà, despite both being number, at least now you know which one should be X and which one should be F. Okay, it's good for this one. So mean number of marbles will be what? Mean number of marbles per student. Allez, once again, la formule c'est quoi? The mean number of marbles per student, get bien comment vous pouvez faire. Please have a look at it. Je suis tout d'accord que la formule pour un groupe data. Un groupe d'état, ce formule, c'est ça. Summation fx fois summation of f. Get bien là, hein? C'est summation fx divisé par summation of f. Now, please pay attention to this. Bon, maintenant, littérature aussi là. Summation fx ou summation of f. Dis-moi, comment on fait fx? Comment on fait fx tout à l'heure là? Fx qui veut dire là au fond en bas, là au fond en bas, là au fond en bas, non, les mêmes. Comme on reste fait là au fond en bas, on gagne ça, on gagne ça. It goes on like this till the number 5. Ça c'est le moment FX. Vers là au fond en bas, nous reste gagne FX, FX, FX. Ah, c'est déjà minuit par ici. Let us have a look at it un petit peu plus rapidement. So for this one over here, alors nous avons ça comme FX, FX, FX. And it goes on like this. Okay, it's good for this one. It goes on like this. Let us have a look at it. Allez, premièrement là pour cette partie-là, qui veut dire summation fx? Si fx peut représenter combien marbles il y a ici? Fx 3 peut représenter combien marbles il y a ici? Fx 2, 14 peut représenter qu'il y en a 14 marbles ici. Ça veut dire summation fx peut représenter sa totalité là, qui tu veux dire tout à l'heure là? Sa totalité là, tu veux dire 45 marbles. Ça veut dire en jeu, nous avons 45 marbles. Ça veut dire comme on peut faire FX. Je te bise, comprends rien, pas juste. C'est pas, it's just not a question about the multiple over here. No, you have to understand things. Especially when both are numbers. Examiner tes verres de piège, je te dis. Les verres de même façon pour comment dire, voilà. D'aller là, beaucoup pour finir embrouillé là. Parce que les trous numbers, ils n'est plus connu qui X. Ceux qui n'apprennent pas, ok, que comme quoi, voilà, ils ont fini par coincer là. Maintenant, ceux qui n'apprennent ni par cœur, vous n'êtes pas ceux coincés. Sinon, vous tombez la même chose comme les élèves qui n'apprennent ni par cœur. And you're going to definitely lay all of my efforts to waste them. Which is not so good for you. Allez.
Ça veut dire que tout d'abord que summation fx, c'est ça sur totalité. Et ça sur totalité, il peut représenter total number of marbles. Allez, nous écrire ici. Summation of fx peut représenter total number of marbles. Divise par summation of f. Summation of f maintenant qui peut représenter. Now, have a look at it. Summation fx peut représenter total number of marbles. La question c'est mean number of marbles. Dans mean number of marbles, le fait que la question peut dire nous mean number of marks tout à l'heure, la marks qui dit x. Là, il peut dire mean number of marbles, ça veut dire là ici c'est marbles qui représente x. So far, it's fine for all of you. Okay, it's good for this one. So far, it's fine for all of you. Pas de difficulté. Ça veut dire l'indiano mean number of marbles veut dire que marbles est représenté par x. Ça veut dire en d'autres mots, mais si number of marbles peut représenter par x, mais ça veut dire number of students peut représenter par obviously qui peut être f et n'a tout le temps juste deux variables là. Non, il y a x avec il y a f. Mais ici x peut finir par marble. Ça veut dire en d'autres mots f il peut finir par students. Ça veut dire en d'autres mots quand nous cause f ici, nous cause number of students. Ça veut dire summation of f represents the total number of. Si f représente number of students, f écoute bien, f c'est number of students. Mais summation qui veut dire total. F représente number of students. Donc nous sommes capables d'écrire f représente number of students. Mais summation f qui veut dire total number of. C'est total number of students. Ok, it's good for all of you. Allez, c'était pas nécessaire ici là, hein, pour comprendre qui fait un peu expliquer d'autres ça. Comment vous connaissez, vous pouvez expliquer quelque chose sur quel propos, hein. Reste un jour dans this one. Si vous trouvez un peu dans les détails comme ça, parce que vous connaissez qui perd dans d'autres dans partie D là. Allez, total number of marbles, c'est quoi? C'était summation fx. Summation fx, tu veux dire ça, fois ça, fois ça, fois ça, it goes on. Mais tu gagnes totalité comme 45. Très bien. Total number of students, c'est combien? Total number of students, cela vous donne 20. Ça veut dire en d'autres mots, l'IFNU 2 points. Alors, l'IFNU combien là? Alors, 45 est divisé par 20. Cela vous donne 22.5, 2.25. Voilà. Cela vous donne 2.25. Marbles per student. Ça veut dire nous quand dire que on average, ça veut dire que on average dans sa classe là ou soit dans sa groupe là, chaque élève nous quand dire qu'il y a 2.25 marbles. Je sais il peut exister, en réel il peut exister, nous pas qu'il y a 2.25 marbles, mais le papier il existait 2.25 marbles, il existait le papier 1.5 dimoun il existait vous autres. Ok, it's good for this one. Oui, pareil comme alors, if you are going to study the trend, alors, et ben, l'aime trouver que comme quoi chaque une personne est capable d'affecter 2.3 personnes et par le virus corona. Alors, comment je dis qu'on me dit 2.3, malgré 2.3 personnes, il peut exister parce que on ne peut pas, it does exist, though it does not exist in real life. Ok, it's good for this one. Alors, c'est la même chose ici, ça veut dire en d'autres mots, per student, we expect it to be 2.25 marbles. Ça veut dire, nous expect on average que chaque élève, il y en a à peu près 2.25 marbles. This is on average. La partie D maintenant, let us have a look at it. Comme partie D à ce il peut dire ça comme ça, the mean number of students per marble. Mean number of students per marble, once again, la formule qui vous venez. Comment nous cause mean? Et nous sommes tous d'accord que c'est un groupe d'état. Comment c'est un groupe d'état? Et nous cause mean, ce formule c'est summation of fx. Upon summation of f. Formule c'est summation fx upon summation of f. Let us have a look at it. Allez, dis-moi ce même. Je suis tout d'accord que pour cette partie-là, ici nous pouvons cause mean number of students. We're talking about
mean number of students over here. Ali, let us have a look at it. Mean marks, marks TX. Mean number of marbles, number of marbles becomes X. Mean number of students, so number of students becomes X. Okay, it's good for this one. Maintenant FX. Get bien, n'importe qui s'en a F et n'importe qui s'en a X. N'importe qui s'en a qui F et n'importe qui s'en a qui X. Je suis tout d'accord, allez, si ça c'est X, ça c'est F. On fait là haut, en bas, là haut, en bas, là haut, en bas, pour prendre les mêmes. À ceci en bas là, les F. Et là haut là, les X. Ou soit là haut là, les X, en bas là, les F. À la fin, quand on fait là haut, en bas, nous on les mêmes. Allez, 0 fois 2, 0, 2 fois 0, 0 même. N'importe ce n'est X, n'importe ce n'est F là. N'importe ce n'est qui X, n'importe ce n'est qui F. À la fin, quand on fait là haut, en bas, nous on les mêmes. À la fin, les deux mêmes valeurs, non? Ça vous demande 0, ça vous demande 3 même, ça vous demande 14. Il n'y a pas ça qui est F, il n'y a pas ça qui est X. Vous avez bien saisi? Oui, ça veut dire en d'autres mots, vous sommes méchants en FX. Ça veut dire en d'autres mots, vous sommes méchants en FX. Il reste toujours 45. Li. Et ce méchant en FX, ce qui veut dire tout à l'heure là? C'était total number of marbles. Ça, c'était ce méchant en FX. But now have a look at this one. Si number of students veut dire X. Si number of students veut dire X. Ça veut dire F qui veut dire. Ici, number of marbles si peut représente X. F, si peut bien, number of students. Si X, parle pour number of marbles. Mais F, parle pour number of students. Mais ici maintenant, si number of students peut représente X. Number of students représente X. Mais là-haut qui est représenté? Là-haut vous représente F. Ça veut dire en d'autres mots, number of marbles peut représenter frequency. Je peux saisir là. Ça veut dire F peut représente maintenant number of marbles, which is total number of marbles over here. Alors, à ce qu'on peut cause F. F peut représenter, get bien, X peut représenter number of students, ça qui est resté veut dire F, ça veut dire F peut représenter number of marbles. F peut représenter number of marbles. Voilà. Maintenant, si F peut représenter number of marbles, summation tout le temps veut dire total. Ça veut dire ça lui représente total number of. Ça veut dire que ça lui représente total number of marbles. Vous êtes tout d'accord pour cette partie là? Oui, allez. Let us have a look at it. Total number of marbles. Vous êtes tout d'accord que c'est 45 qui peut représenter par summation fx. Summation of f peut représenter total number of marbles. Et total number of marbles, get bien. C'est pour cela que vous allez apprendre à comprendre. Parce que ça, c'est les F qui pourraient mettre number of marbles comme F là. Vous ne pas dire autres, non. Vous ne pas dire autres, si vous mettez F ici, il ne pas représente number of marbles. Indeed, number of students peut représenter X. Number of marbles peut représenter F. Mais est-ce qu'il peut me gagner total number of marbles? Est-ce qu'il make sense? Does it make sense? If I have to compute the total for number of marbles, does it make sense to you that I add all of this? Non, même pour ceux qui peuvent dire comme ça, mais oui, 0 plus n plus 1 plus 3 plus 4 plus 5, non, it doesn't make sense over here. Parce que, moi, je peux dire ça tout à l'heure là, total number of marbles, ça, les peut représenter n marbles, oui, mais d'accord, ça peut représenter n marbles, mais combien en tout et non? 3. Ici, l'IPD présente 2 marbles, oui, c'est bon. 7 élèves, mais allez, ça veut dire dans sa game là, en tout là, combien d'élèves qu'il y en a? Combien d'élèves, il y en a 14. 7 élèves, en tout, il y en a 2 marbles. En tout, il y a 14 marbles. En tout, combien de marbles il y en a dans sa jeu là? C'est 14. So, even if this is F, total number of marbles is not 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Non, vous autres. Total number of marbles remains. Total number of marbles remains 1. Vous avez bien saisi là, total number of marbles remains 1 over here. Alors voilà, ça veut dire que c'est 45 sur 45, alors cela vous donne 1.
So it means that we have. La question c'était the mean number of students per mobile. It means that we have one student per mobile. Vous avez bien saisi les par ici là. Oui, ça veut dire we have one student per mobile over here. Now, basically, get bien. Nous capables dans une situation. Ça, c'est un tricky situation, ça. Quand l'examinateur connaît comment je mettre F là, il connaît comment je mettre F. Fini ici là. Même je pourrais carrément gagner F pour la question. Parce que il pourra trick zone comment. Comment je dis mettre F là, the most tendency you're going to have. Alors, voilà, you would want to add all of this and finish with it. Surtout pour moi, vous me connaissez comment vous étiez. Hein? You would want to finish with it. Right now, like you want to finish with your session itself. Mais ce n'est pas ça qui tient vous autres. Ce n'est pas terminer avec et votre session plus rapidement qui tient. Ce n'est pas faire la question plus rapidement qui tient. Certes, vous avez besoin de rapidité, mais avec l'intelligence accompagnée aussi. Les nuls, vous pouvez faire une question rapidement. Quand les peines auxquelles l'intelligence dedans, if you're doing it like this, you're not doing maths. If you're learning maths without any logic, it is not mathematics. Comment tout le temps me dire, this subject combined with physics, it is what governs, if not the world, it governs all the laws which is governing this whole world over here. Alors, la même chose pour les ciseaux pour apprendre ni par cœur, ni pas pour ton bien. Now, let us have a look at one example. I just need two more minutes with you. Quand peut-être si tu es dans F là, moi tu peux ajouter tout. So, as you see, it depends on question by question. You can't really learn everything by heart. You can't really want that this F is fixed to being like this. Pas veut dire qu'on lit F, ça veut dire voilà. Oh, monsieur, il dit comme ça qu'on lit F, veut dire ça sur tout. No, it is case to case scenario over here. Il dépend cas par cas ça. Get la même chose. If I have this as number of days. Oubliez number of students. Hein? Oubliez number of students. Nous disons ça c'est des number of days. Allez, ça c'est 0 jours. Ça c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vous avez ces idées là? Nous disons comme ça, ça c'est number of days, ça c'est number of homeworks. Alors voilà. Allez, number of days, number of homeworks. Alors, dans un jour, combien de fois vous faites 3? Dans 2 jours, combien de fois vous faites 7? Dans 3 jours, combien de fois vous faites 5? Ça veut dire en d'autres mots là. En d'autres mots ici. Does it make sense to you? Mais ça peut représenter number of days, total number of days même. Vous avez ces idées là, puis là vous faites la haut en bas là. Allez, quand vous faites la haut en bas qui m'a gagné, vous pas gagné, on y est là. Sa valeur qui m'a gagné par ici là, les papiers vraiment de moi, les papiers vraiment de moi, non, on y est de façon opposée là. Vous avez ces idées. Alors, quand vous prenez 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, quand vous ajoutez tout ça là, vous pouvez prendre 1 jour plus 2 jours plus 3 jours plus 4 jours plus 5 jours. Vous avez ces idées, ça veut dire ici, si ça si number of days représenté par F, si F toutefois, il représente number of days, si F toutefois il représente number of days, cela veut dire que en d'autres mots ici là, alors for this case, if it was representing number of days, ben vous êtes capable définitivement ajouter le tout pour gagner total number of days. Les pas comme ici mobiles, ça veut dire que pour gagner total number of mobiles, vous besoin faire la haut en bas, la haut en bas. Vous avez ces idées là, ça veut dire si it was about total number of days, you could just simply add all of it, you would still have total number of days without any fear. Ici, ici, pareil comme ici, number of students, alors sans aucun la crainte, voilà, sans aucun empêchement, logiquement, on finit de trouver un, peut dire des élèves, un, peut dire trois élèves, un, sept élèves, peut dire ça, un, cinq élèves, peut dire ça, ici, des élèves, peut dire ça, un, finalement, des élèves, peut dire ça, combien d'élèves ont tout? Voilà, au total 20 élèves, you see, you have. Donc, comme quoi, c'est l'esprit est d'accord avec vous, dites bien. Puis la personne qui dit tellement, et je ne suis pas content d'utiliser le mot con, mais peut pas exister qui comme quoi. Et, allez, pas intelligent, je peux dire, allez, pas exister, je ne dis pas autant intelligent, ou soit il est tellement pas intelligent, que comme quoi, c'est l'esprit, et il peut de se voler à ce point-là. Hein, l'esprit pas pour calque de ce voisin à ce point là, n'importe comme il faut, soit faible, soit capable d'être dans une partie de calcul ou soit une partie mathématique. Does it make sense to you? Does it make sense to you? Des élèves viennent dire en ça, trois élèves peuvent dire ça, sept élèves peuvent dire ça, en tout comme les élèves. Et ce qui, comme vous dites, bah, does it provide you a piece? Ah, ben là, il est correct là, ben 20, oui, 20, it does make sense.
Vous dites, mais ça, si vous dites comme ça, 2 fois 0 plus 1 fois 3 plus 2 fois 14, faites-nous 45. Vous êtes d'accord avec 45 élèves? Non. Mais vous êtes d'accord tout à l'heure, comme on expliquait ça, il fait nous 45, mon buzz. Mais pour number of students, alors ce n'est pas comme il faut soit fait, vous êtes dans les mathématiques, vous êtes d'accord avec moi qu'on ajoute tout ça là. Et indeed, de nous, nous satisfait que vraiment les représente 20 comme la totalité des élèves. Nous, tu peux satisfaire si ça, c'est number of days, qu'on ajoute le tout, les vraiment, dis-nous, total de number of days, sans aucun double pensée. Vous êtes bizarre, vraiment, tu es d'accord avec vous même parce que your mind can deceive you to this extent. Oh, okay, it's good for this one. I hope the message is really clear on this one. Et là, voilà. Et là, voilà, par ici. Et cela veut dire, if this was number of days and this was number of homeworks, ça veut dire dans un jour, vous avez là fait trois devoirs. Ça veut dire en d'autres mots, ici, là, dans, il prend deux jours pour lui faire sept devoirs. So what is total number of homeworks? Ici pour gagner total number of members, vous me faites là-haut en bas, vous allez même. Mais si vous dites total number of homeworks, this is number of days, this is number of homeworks, on te prend un jour, tu peux prendre un jour pour te faire trois devoirs. Ça veut dire combien de devoirs tu fais dans un jour là? Trois devoirs. On te peut prendre deux jours pour faire sept devoirs. Ça veut dire le mot combien de devoirs tu fais dans deux jours? Ah ben vous me faites sept devoirs. Il n'y a pas de faire 14 des vols là. Là, ici, il y a 7 élèves, il peut dire qu'il y a décalé. Si 7 élèves, il peut dire qu'il y a tout mon boss. En tout, combien mon boss, il y a 2 fois 7. C'est logique que c'est 2 fois 7, c'est 14. Mais si dans des soins, il y a des autres qui font 7 des vols, est-ce qu'ils ont pas dit comme ça? En dans des autres, il fait 7 des vols, mais en tout, combien les vols, il fait? Mais il fait 7 des vols, mais papa. Vous avez ces idées là? Oui. I hope it is clear on this one. Ça veut dire, even if this was total number of days and this would be number of homeworks, alors voilà, combien de devoirs il fait dans le premier jour? Dans un jour, il fait 3 devoirs. Dans 2 jours, il fait 7 devoirs. Ça veut dire qu'il fait 17 devoirs. Dans 3 jours, il prend pour lui faire 5 devoirs. Dans 4 jours, il prend pour lui faire 2 devoirs. Sauf que ces idées, alors tout dépend qui vraiment scénario il met examinateur là. Mais si ça te représente number of homeworks, alors voilà. Si ça te fait représenter le number of homeworks, then you would add only all of this. But tu peux faire là-haut en bas. Alors, tout dépend de case to case et scénario over here. La plupart du temps, quand vous pouvez, pas la plupart du temps, tout le temps, ça c'est la formule domine. Mais vous bisez bien quand vous avez une question. Comment ça? And could we have mean number of members per student? And could licence causer mean number of students? Alors, per mobile. Please be careful about it. Et surtout, get bien quand on se divise votre totalité. C'est ça qui m'a fait redresser de l'attention. Ça, F là, l'expert représente number of members. Summation F veut dire total number of members. Et total number of members, comme c'est là, c'est 45. Alors, get bien, c'est 45. Et non pas, le mec ajoute tout ça là. Et nous finit par faire une question facile comme ça. Et non, elle finit par faire mal. And then you lose. Et precious marks over here. So I hope it is fine. This is end for ungroup data. Comment vous pouvez aussi trouver dans cette bonne page qui me l'envoie vous. We also have advantages and disadvantages of the mean. Make sure qu'il y a moins. Vous avez deux avantages et deux désavantages pour ici. Pick either two easiest. Comme d'habitude, je sais this is what you're going to do. Mais peine vraiment beaucoup. Just pick the two easiest over here. You can definitely have it as a theoretical question, and this is really scoring if ever you have it. So make sure that is vraiment good man l'avantage et désavantage de zot mean. For any question, any part of the video that you did not understand, you feel free to reach me when it's about query day. I'm also going to upload you the respected. I'm going to upload you the respective questions assigned for ungroup data. And next tutorial is now going to be about group data, which is last part concerning mean over here. So I hope everything was as helpful as it always is to you. And as usual, I hope the details provide you with really top crispy and top notch explanation. This is what I always look forward to with you students. Voilà. So next tutorial, mean for group data. I'll catch you soon, first of all, for correction of homeworks.
which I'm going to upload for Minfo and group data. So I'm going to catch all of you for query time, then for correction of homeworks before Minfo group data tutorials.